Alors, merci, très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je vais vous parler de la force des valeurs communes, de l'importance qu'elles présentent pour essayer de faire évoluer la conversation. Il est certain que quelquefois cet environnement peut être frustrant et dans lequel les conversations s'engagent. Il y a des gens qui disent, plus j'entends parler de l'alimentation, plus je me rends compte que ça ne vaut rien, etc. Et il y a le docteur Oz aussi, qui professe toutes sortes d'opinions sur la chose. Et tout ça, c'est pas vraiment bon pour nous. Donc, il y a aussi des gens qui se plaignent de la façon dont les animaux sont traités. Et en conséquence, et plusieurs se sentent frustrés de cette situation. Et la recherche prouve que cela ne nous dépeint pas vraiment tel que nous sommes, mais ce que nous sommes et ce que nous faisons pour l'ensemble de la communauté. Il faut donc pouvoir remettre en place le dialogue, l'orienter pour avoir des valeurs relativement positives et plus conformes à la vérité. Alors, voyons en particulier ce que l'on peut faire pour redresser cette situation. Il y a un certain nombre de projets de recherche qui ont été lancés sur la force et la valeur des opinions partagées, des valeurs partagées. Et on va vous donner quelques exemples de ce que l'on peut faire pour réellement commencer à connecter avec notre public et faire comprendre aux gens ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et la recherche aujourd'hui met en valeur un certain nombre de valeurs critiques que l'on peut professer, que l'on peut publier pour pouvoir se placer au niveau de la qualité de l'alimentation. Nous travaillons avec un certain nombre d'organisations canadiennes et en Australie. Nous avons des affiliés, donc maintenant en Australie comme au Canada, qui cherchent à donner confiance dans l'alimentation dans ces pays. Et effectivement, c'est important parce que cela doit nous donner la liberté de ce qu'on veut faire dans l'agriculture avec le moins de restrictions possibles. Et cela crée également un environnement qui peut rester concurrentiel au niveau global. Donc c'est important de bien se rendre compte de la valeur et de l'importance de cette confiance, en particulier appliquée aux denrées alimentaires. Il s'agit de pouvoir rester concurrentiel dans l'environnement global. Alors, quel devrait être notre objectif en matière de communication? Si on cherche à convaincre les militants pour les faire changer d'avis, on va perdre, on ne pourra pas gagner. Et s'il s'agit d'éduquer ou de changer les opinions, on va perdre également. Parce que les gens se sont déjà fait une opinion, ont une opinion bien arrêtée, et ce n'est pas par une petite phrase qu'on va les faire changer d'idée. Il faut donc non pas nécessairement se concentrer sur ceux qui sont contre nous, mais ceux qui sont plutôt ouverts et qui pourraient éventuellement changer d'avis. Et finalement, on se rend compte que éduquer les gens n'est pas seulement suffisant, mais l'éducation joue un rôle effectivement dans ce processus. Donc il faut commencer d'abord par s'attaquer au scepticisme. D'abord, il faut commencer par l'accepter, le scepticisme. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut comprendre que les inquiétudes des consommateurs sont bien réelles. Et les gens qui sont sceptiques sont des gens qui sont quand même néanmoins prêts à discuter avec nous et à nous écouter. Mais souvent, leurs opinions ne reposent pas sur des faits précis, mais et ça ne veut pas dire que leurs opinions ne sont pas forcément valables, il faut aider le consommateur à comprendre que l'agriculture actuelle est peut-être plus en phase avec les propres valeurs de la personne qu'elle ne pouvait le croire. Et c'est précisément ce que nous cherchons à faire, c'est-à-dire redresser tranquillement la situation. Parlons maintenant de l'érosion de la confiance.
Comment a-t-on abouti là où on en est? Nous avons fait de la recherche sur cette situation. Il y a l'avant et l'après. Dans les années 50, après la guerre, au Canada comme aux États-Unis, il y avait un consensus assez vaste et les gens étaient assez optimistes. Les choses évoluaient de façon positive sur le plan social. Dans les années 60, il y a eu plus sur le plan social, de vagues, de courants et de contre-courants. Et les gens se posaient si les choses ou organismes avec lesquels ils faisaient affaire étaient dignes de leur confiance. Et avec l'activité qui s'est produite depuis 45 ans dans tous les secteurs de la société, il y a eu un certain nombre d'incidents très visibles. Et les gens se posent la question de savoir si les institutions méritent leur confiance. Et maintenant, fondamentalement, par défaut, si vous voulez, les gens sont sceptiques. Et voyons maintenant ce qui a causé ce changement au cours de cette période de 45 ans. Normalement, c'était surtout le lieu de travail qui faisait autorité, hein, au début de cette période, alors qu'aujourd'hui, ce sont surtout les relations qui font autorité. Et c'est encore plus valable depuis les médias sociaux. Dans le temps, il y avait un consensus au niveau, par exemple, des protestants de race blanche et d'origine anglo-saxonne, masculin. Et c'était eux qui dictaient le consensus social. Alors que aujourd'hui, les choses ont bien changé et on n'en est plus à ce niveau. Et les médias sociaux en particulier ont amené une grande diversité d'opinions et de voix. Et la communication dans le temps était formelle et directe, c'était de la communication de masse, et on entendait toujours le même message. Aujourd'hui, la communication est informelle et directe. Il y a des masses de communicateurs et des messages qui s'échangent en toutes directions et en tout temps. Comme tout le monde a la possibilité de commenter, eh bien, les gens ne s'en privent pas et parlent éventuellement de l'agriculture et de l'alimentation. Et cela crée un environnement extrêmement différent vu les différentes participations. Dans le temps, on considérait que le progrès était vu comme inévitable. Toute amélioration en productivité était appréciée, par exemple. Mais maintenant, tout le monde discute du progrès et certains ne sont pas convaincus que le progrès est possible. Et les institutions qui étaient respectées dans le temps sont devenues maintenant des institutions auxquelles les gens ne font pas confiance. Et par conséquent, il y a eu un gros changement. Et au cours de cette même période, dans l'agriculture, il y a eu une consolidation, intégration, industrialisation. Cela veut dire que les choses ont bien changé et que les produits sont devenus moins chers qu'avant et plus disponibles. Et les institutions ont évolué et les gens ne font plus tellement confiance aux institutions gouvernementales. En raison de la consolidation de l'intégration dans l'agriculture et l'alimentation, les producteurs eux-mêmes ont été atteints et ne sont pas toujours vus par le public comme étant dignes de confiance. Il y a eu donc un changement dans la valeur de produire les aliments, mais le public ne sait pas nécessairement pourquoi et comment les choses ont évolué. Et quels sont les avantages pour l'agriculture de cette évolution, mais surtout quels sont les avantages pour la société? Les médias sociaux ont tendance à amplifier rapidement les problèmes. Il y a des influenceurs d'opinion en ligne qui déforment ou massent l'information. Les médias mettent l'accent sur des histoires spectaculaires et cela veut dire qu'il y a des poches de croyances, de choses que les gens croient ou pensent et que tout cela est amplifié, en particulier dès qu'il arrive un problème dramatique ou un accident quelconque. Mais ce qui est important,
c'est la place de l'alimentation dans notre vie. L'alimentation est indispensable à la vie, bien entendu, et cela répond à des besoins sociaux et culturels. L'alimentation est donc indispensable et en raison de tous ces facteurs, nous sommes appelés à jouer un rôle très différent de celui que d'autres organisations ou productions peuvent avoir à jouer. Un jour, quelqu'un a demandé à une émission à Los Angeles, qu'est-ce qu'un OGM? Et seulement une personne de l'émission a pu répondre à la question. Tous les autres gens ne savaient pas trop ce dont il s'agissait et étaient convaincus qu'il fallait systématiquement éviter les OGM. Par conséquent, il s'agit de savoir ce qu'est cette technologie dont tout le monde parle. Et il s'agit d'une industrialisation supplémentaire de l'agriculture. Et il ne s'agit pas d'être systématiquement contre les OGM, mais les gens sont quelquefois contre ce que les OGM représentent. Mais c'était une illustration amusante de la confusion et du manque d'informations précises que les gens avaient sur un point bien précis. Donc, revenons sur une étude de 2014 sur la confiance des consommateurs. En fait, c'est une étude qui a été faite en 2014 et qui est disponible sur notre site web à foodintegrity.org. Tous les ans, on commence à poser des questions aux consommateurs à savoir si l'industrie est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Et les gens ont dit que vous voyez les statistiques, 42% est considéré qu'on est sur la bonne voie, 34% non, etc. Et il y a eu une évolution assez considérable entre 2013 et 2014, puisqu'il y a eu une différence de 8% entre 2013 à 2014 en ce qui concerne la mauvaise foi. Nous ne savons pas trop ce qui a causé cette opinion, cette réaction. Ou est-ce que c'est le début d'une tendance? Mais les gens ont tendance effectivement à être sceptiques et tout dépend souvent de leur niveau d'éducation, de d'où ils prennent leur information et ainsi de suite. Et c'est pourquoi il nous faut discuter de ces questions pour diffuser une information exacte. D'autre part, il y a des différences entre les femmes et les hommes. 48% des hommes pensent qu'on est parti dans une certaine direction, les femmes pensent le contraire. Et cela indique donc qu'il y a des divergences d'opinion parmi les différentes catégories de consommateurs. Chaque année, nous donnons aux consommateurs une liste de 17 questions qui les intéressent. Vous en voyez plusieurs sur l'écran ici, les coûts de l'énergie, le coût de l'alimentation, l'économie des États-Unis, etc. Et on leur demande de nous faire savoir quelles sont les questions qui les préoccupent le plus, entre 0 et 10. Et ce que vous voyez ici, sur ce graphique, sont les résultats moyens obtenus sur un certain nombre de questions qui ont atteint une note de 8 ou plus. Par exemple, plusieurs ont soulevé la question des frais de santé. D'autres ont parlé de l'augmentation des prix de l'alimentation. Et dans l'encadré bleu, on voit également un certain nombre de préoccupations liées au système alimentaire, au moins chez les Américains. Plusieurs sont intervenus, mais on n'avait pratiquement jamais soulevé le problème de la salubrité alimentaire. Or là, vous vous apercevez que plusieurs personnes considèrent que la salubrité alimentaire est vraiment maintenant sur le radar. Et cela signifie que le public est intéressé, en tout cas, à la salubrité.
les femmes ont tendance à se faire plus de soucis que les hommes. Et sur les 17 questions, la dernière préoccupation était d'avoir assez d'aliments pour nourrir les populations étrangères qui ne préoccupaient que 33% des gens. Alors, si l'on veut nourrir le monde, c'est intéressant, certes, mais ce n'est pas nécessairement une préoccupation extrêmement importante pour la plupart des consommateurs. Alors, suite à cette recherche, 60% ont parlé de la valeur nutritive de leur alimentation, donc préoccupation importante à 60%. Près de la moitié étaient fortement d'accord pour dire que il était difficile d'obtenir des aliments qui n'avaient pas trop de sel ou de sucre, etc. À peu près 2/3 étaient d'accord pour dire que on pouvait obtenir des aliments équilibrés. Et donc, plusieurs disaient que l'on peut obtenir donc des aliments sains sur notre marché canadien. Cette année, en 2014, nous avons fait la recherche sur l'ensemble de la population américaine, mais nous l'avons subdivisée par génération. Par exemple, là, vous avez les résultats moyens de ces 17 questions dans 4 types de consommateurs. Donc, là, vous voyez qu'il faut maintenir les prix des aliments sains à un niveau abordable. C'était une question qui arrivait, au premier niveau, parce que normalement, le consommateur demande une nourriture abondante et à un prix raisonnable. Abondante et abordable. Mais là, on demande que les aliments soient abondants. Là, on en a assez, il n'y a pas de problème. Mais il faut que les aliments sains soient disponibles à un prix abordable. Donc là, il y a une inquiétude supplémentaire qui intervient. Et on ne parle pas seulement de nourriture abordable et abondante, là, on parle de la salubrité alimentaire de façon indirecte. Les consommateurs sont sceptiques sur la disponibilité d'alimentation valable et saine à un prix abordable. Nous avons demandé également quels sont les messagers qui sont les plus crédibles. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais il y a là quand même de bonnes nouvelles quant à la confiance du consommateur. Voici le niveau de confiance dans les sources d'information sur les aliments génétiquement modifiés. Et ce que vous voyez, c'est que les scientifiques universitaires viennent en tête, scientifiques, maires, agriculteurs. Agriculteurs est en troisième position quand même. Et le chef cuisinier arrive en bas de la liste. Et le docteur Rose aussi d'ailleurs. Donc c'est important sur le plan de la crédibilité. Et maintenant, il faut que tous nous puissions augmenter la visibilité. Et il est peu probable que vous allez d'ici demain lancer votre show sur l'alimentation à la télévision ou ailleurs. Mais néanmoins, il y a des communicateurs qui ont l'occasion de lancer le dialogue social sur l'agriculture avec les scientifiques universitaires, une scientifique est une mère, un agriculteur. Là, vous voyez que l'agriculteur est quand même au niveau supérieur et par conséquent, les gens sont prêts à l'écouter. Venons-en maintenant à diverses conclusions des différents projets de recherche qui ont été lancés, en particulier dans le domaine de la biotechnologie et au niveau de la qualité de l'alimentation. Nous avons posé un certain nombre de questions aux consommateurs sur la biotechnologie, par exemple, et nous avons retenu un certain nombre de conclusions qui, vous le verrez, ne sont pas sans incidence sur le travail que vous faites. Tout d'abord,
Les résultats du groupe de consultation, c'est qu'il faut être vous-même, raconter ce que vous avez à raconter, votre propre histoire. Pourquoi avez-vous choisi cette carrière? Qu'est-ce qui importe pour vous? Quels sont les aspects de votre travail qui peuvent démontrer cette passion? Les consommateurs veulent une vraie transparence et sont prêts à vous écouter. Mais il faut que vous soyez vous-même, racontiez les choses telles qu'elles sont, avec votre passion. Et ça, c'est probablement beaucoup plus important que toute autre forme de communication. Soyez prêts à discuter des questions difficiles. Il ne s'agit pas de les mettre de côté ou de les éviter. Et il faut que les gens comprennent que nous apprécions les inquiétudes sur les hormones, sur la santé des animaux, sur les produits chimiques, les produits de conservation, ainsi de suite, les colorants. C'est important d'être au courant de toutes ces choses-là pour prendre les bons choix. En plus, ne remettez pas en question les convictions des gens. Les consommateurs sont un petit peu tribaux et ont tendance à répéter ce qu'ils ont entendu, et les convictions des groupes leur tiennent à cœur. Mais vous pouvez quand même faire une connexion. Et donc, ils ont tendance à diffuser ce qu'ils ont entendu. Et c'est intéressant d'avoir des groupes de discussion, comme on l'a fait en Floride il y a quelques années. Et on a demandé aux gens de parler de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes, par exemple le niveau des OGM et pourquoi ils pensaient que les OGM étaient dangereux. Et il y avait plusieurs maires qui étaient là et qui disaient, ben, on n'a pas besoin de faire de la recherche de médecins scientifiques pour savoir ce qu'on doit savoir quand on est plusieurs groupes de maires qui sont concernés et qui sont impliqués. Alors, c'est une réaction que l'on retrouve dans l'environnement actuel. Là, comment réagit-on? Par les valeurs. Il faut pouvoir définir le rôle de la science, bien sûr, mais c'est au niveau des valeurs que la communication va s'établir et que le courant va passer. Alors, parlons donc des valeurs partagées. Voici un modèle qui a été développé depuis 8 ans sur la façon de générer la confiance. La plupart d'entre vous cherchez tout simplement à protéger votre liberté de manœuvre. Alors, il faut ne pas subir des pressions indues dans votre travail. Et on définit la vie sociale comme étant le privilège de fonctionner tout simplement sur la base de la confiance et libre de toute pression. Et cela vous donne une légitimité sociale, liberté d'opération. Et finalement, au niveau du marché, un certain nombre de marques vont chercher à vous vendre leurs produits et vous donner des renseignements. Et on voit la chaîne d'approvisionnement qui est très influencée par ces genres de stratégies. Donc, la question que l'on veut poser, c'est de savoir comment l'on construit la confiance. Donc, la recherche a été faite et on a regardé déjà des recherches qui s'étaient faites sur la confiance et l'alimentation. Mais vous voyez du côté gauche différents éléments qui interviennent. Il y a d'abord une similarité ou une similitude des valeurs. Les gens qui commencent, qui s'embarquent là-dedans, peuvent être un acteur, peuvent être un travailleur de chantier, peuvent être n'importe quoi. Le problème, c'est d'abord s'ils ont confiance en leur homologue. Et puis, il y a la question de la compétence. C'est pourquoi la compétence, c'est pourquoi nous en parlons si souvent, qui nous sommes, ce que nous faisons, etc. Pour que les gens comprennent bien que nous savons ce dont nous parlons et que nous avons la compétence appropriée. Et nous avons donc dû faire une recherche complémentaire à cet égard. Et cette notion-là est revenue à plusieurs reprises. Et donc, la confiance intervient, c'est évident, mais il y a
un certain nombre de drivers, de principes moteurs qui interviennent. On a posé des questions à quelques 6 000 consommateurs aux États-Unis dans une grande enquête sur toutes sortes de sujets plus ou moins liés directement à l'agriculture. Et il y avait un certain nombre de valeurs partagées qui semblaient 3 à 5 fois plus importantes pour renforcer la confiance que le partage de faits ou la preuve de compétences ou d'expertise technique. On pouvait toujours partir par des faits ou des données ou la science. C'était ce qu'on cherchait à faire pour donner davantage d'informations, mais on comprend maintenant que ce sont les valeurs qui sont de 3 à 5 fois plus importantes que les faits ou les preuves de compétences. Theodore Roosevelt avait dit: personne ne se soucie de ce que vous savez jusqu'à temps qu'on apprenne à quel point cela vous tient à cœur. Donc, il faut d'abord s'occuper des valeurs avant de commencer à sortir, à déballer, vous donner des faits ou des valeurs scientifiques. Maintenant, j'aimerais vous parler pendant un certain temps de la durabilité et de l'équilibre durable. Il faut d'abord savoir quels sont les éléments qui interviennent pour susciter la confiance et déterminer si les choses sont scientifiquement vérifiées. Pour que ce soit scientifiquement valable, il faut que ce soit répétable, mesurable, spécifique et objectif. Et sinon, il faut également que ce soit durable, bien entendu, parce que ça ne dure pas, hein, autrement. Et il faut que la plupart du temps, que la conversation reste dans ce triangle. Est-ce qu'on doit utiliser des OGM? Est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce que c'est vérifié scientifiquement? Et est-ce que c'est éthique? Souvent, on est dans ce même triangle. Et c'est une question de compétence, mais c'est aussi une question sur l'éthique. Et tout cela intervient au niveau de la construction de la confiance. Et cela risque d'influencer les gens, et par conséquent, les gens vont tendance à suivre ce qu'ils croient plutôt que ce qu'ils entendent au moment où vous pouvez le dire. Et en conséquence, il est important de tenir compte de ces divers éléments si l'on veut instaurer une confiance valable. Il faut changer donc d'approche, parce que traditionnellement, on dit que la recherche démontre qu'on peut faire un certain nombre de choses, augmenter la productivité, etc. Mais est-ce qu'il faut changer la conversation et essayer, par exemple, quand quelqu'un est sceptique au niveau d'utilisation de certains produits chimiques ou de la santé des animaux, c'est pour dire que effectivement la salubrité alimentaire est extrêmement importante et même vitale. Et là, ça vous donne à ce moment-là la permission de parler de ce que vous faites dans votre exploitation agricole pour maintenir cette salubrité alimentaire dans la mesure où on évite de parler des intérêts financiers, des données, de la température ou autre. Et par conséquent, la science intervient, mais c'est la société qui nous dit qu'il ne faut pas répondre aux mauvaises questions. Une question scientifique, faut-il dire, est-ce qu'on doit utiliser tel produit? Est-ce qu'on doit utiliser des OGM? Est-ce qu'on doit donner tel ou tel produit aux animaux, par exemple? Eh bien, cela soulève un certain nombre de questions, mais je respecte les gens qui se soucient de la santé des animaux. Et c'est pourquoi nous donnons aux animaux les produits qu'on leur donne. Ça nous aide à maintenir leur bien-être et ça permet de maintenir la salubrité alimentaire pour vos familles. Donc, tout cela est relié. Et cela canalise en quelque sorte la discussion et les questions qui peuvent être posées. Donc, voici les différentes façons de parler des valeurs qui sont pertinentes dans le domaine
de l'alimentation et de l'agriculture. La compassion, par exemple, la compassion, c'est souciez-vous de votre santé, la responsabilité, produire des aliments sécuritaires, le respect, protéger l'environnement. L'équité, il faut équilibrer les besoins des personnes, des animaux et de la planète. Et puis, il faut être transparent, c'est-à-dire la vérité, soyez honnête avec moi. Alors, il faut pouvoir trouver cette plateforme de valeur qui souligne ce que nous sommes et ce que nous faisons au sein de l'agriculture. Benny Harry était analyste informatique et elle a commencé à répondre en ligne à des questions des consommateurs et des millions de personnes ont suivi ses réponses et elle a pris beaucoup d'influence. Et elle s'est alignée sur les valeurs de son auditoire. Et elle dit, je suis une personne normale comme vous, ne laissez personne vous dire que vous êtes être nutritionniste ou scientifique pour comprendre tout ce qui se passe. On a tous la capacité de changer nos corps, notre santé et le monde, une fois qu'on découvre ce qu'il y a vraiment dans nos aliments. On a tous la possibilité de tout faire évoluer une fois qu'on sait vraiment ce que contiennent nos aliments. On n'est pas forcément tout à fait d'accord avec sa philosophie et ses principes et ce qu'elle pense, mais c'est intéressant de voir que cette philosophie s'est alignée avec les concepts et les idées d'une grosse partie de la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment commence-t-on à mobiliser l'opinion pour faire quelque chose de positif, pour orienter la discussion? Tout d'abord, il faut détecter quels sont les points communs. Vous voyez ici, là, deux figures qui se recouvrent. Eh bien, c'est la partie commune qui est ce qu'on recherche. C'est le capital d'idées communes qui nous intéresse. Tout d'abord, promettez-vous de vous en tenir à une discussion et pas seulement éduquer, défendre et corriger les informations fausses. Si vous passez votre temps à seulement défendre l'agriculture ou corriger les erreurs, vous n'irez pas très loin. Soyez axé sur les principes, présentez des stratégies différentes et philosophies différentes. Sachez ce qui est important, donc, et quelles sont les valeurs qui vous animent lorsqu'il est question d'agriculture et d'alimentation. Et ça vous aidera à mieux comprendre la réaction des gens quand ils sont eux-mêmes frustrés. Maîtrisez vos émotions, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les émotions sont importantes, mais elles peuvent vous mettre mal à l'aise dans certains cas. Ce qui est important, c'est le système. En fait, les gens ne s'adressent pas à vous, mais au système. Et le dernier point est important. Il faut savoir si vous allez pouvoir discuter de façon positive et constructive avec un individu. Si les gens sont d'accord avec votre idée de l'agriculture et de la façon dont vous faites votre travail, eh bien là, il y a quelque chose de positif, il y a une base de départ. Il faut, si par exemple ce qu'on fait n'est pas éthiquement valable ou appuyé, ben on ne peut pas aller bien loin, bien sûr. Ouais, il faut commencer donc par écouter, ensuite demander et enfin partager. Voilà trois étapes extrêmement simples et faciles à appliquer pour démontrer ce que vous voulez démontrer. La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, mais pour pouvoir répondre. Essayez donc de comprendre pour commencer et ensuite vous pourrez essayer d'être compris. Donc tout commence par bien écouter. D'abord, écouter sans jugement. Ça n'est pas facile à faire parce que, ayant participé à toutes sortes de conversations, vous savez d'avance quelles vont être les objections et les réactions des gens. Mais si vous écoutez activement sans jugement, vous pourrez trouver des accords et des points communs afin de comprendre comment les préoccupations sont liées à des valeurs profondes.
Par exemple, quand les gens parlent des antibiotiques, là, vous pouvez dire, ah bon, vous vous intéressez donc à l'environnement, comment les animaux sont traités, etc. Moi aussi, bien entendu. Tout cela, toutes ces valeurs-là sont communes et pour notre bien, tous les deux. Et vous pouvez aussi poser des questions pour lancer le dialogue. Poser des questions afin d'engager le dialogue et clarifier certains points de vue que les gens peuvent chercher à exprimer. Et là, ça vous permet de vous mettre sur la même longueur d'onde. Il faut d'abord poser des questions et ensuite reconnaître que vous avez bien entendu la question et que vous l'avez bien comprise. Et ensuite, au niveau de la compréhension, vous pouvez poser des questions complémentaires pour vous aider à mieux comprendre. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez dire, ah, dites-moi davantage, j'avais jamais entendu parler de ça. J'aimerais bien comprendre pourquoi il y a une certaine confusion à ce niveau. Donc, vous pouvez toujours aller à la recherche de renseignements supplémentaires et là, vous êtes mieux apte à identifier les valeurs et à communiquer avec cette personne en lui faisant valoir que vous partagez ces valeurs. Et enfin, partagez votre point de vue. Concentrez-vous sur des sujets sur lesquels vous êtes d'accord pour parler de vos valeurs et partagez des informations, les faits qui guident vos décisions. Moi, par exemple, si certains disent je n'aime pas la façon dont les animaux sont traités dans cet tel ou tel abattoir et ainsi de suite, eh bien, ce qui découle de la discussion, c'est que la personne est intéressée au bien-être des animaux. Donc là, vous pouvez dire, ben, j'apprécie votre intérêt pour la chose parce que c'était une grande partie de ma vie, imaginez-vous. Et en fait, les choses sont peut-être différentes de ce qu'elles étaient quand même il y a des années et on a fait de gros progrès dans ce domaine. Actuellement, on surveille le bien-être des animaux au quotidien et par conséquent, cela peut intéresser la personne de savoir tout ça. Il y a d'autres questions que vous pouvez poser et cela devrait vous permettre d'identifier les valeurs et il faut poser des questions pour être plus productif. Certains sont prêts à partager leur point de vue. On dit, je vois ces billets sur Facebook qui parlent d'aliments qu'il ne faut jamais manger. Là, on ne sait plus qui croire. Moi, je suis satisfait des aliments que j'achète pour ma famille et qui me tiennent à cœur. Lorsque la science et les consommateurs se rencontrent, comment communiquer les faits scientifiques pour qu'ils puissent être expressifs et signifier quelque chose pour le consommateur moyen? Il y a un certain nombre d'organismes qui ont participé à ces recherches et je les cite ici pour que vous sachiez ce dont il s'agit. Il y a eu évidemment des commanditaires de Californie, de l'Indiana, qui sont dans des cultures différentes. Et c'est bien normal, et ça fait partie de la diversité du pays. On essaie d'amener le consommateur de là où il est pour une prise de décision informée, enfin vers une prise de décision informée, et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'obstacles. D'abord, c'est un labyrinthe, il faut trouver son chemin, et puis surmonter les obstacles qui sont indiqués, rationalité limitée, communication tribale, analphabétisme scientifique, préjugés de confirmation. Tous ces préjugés constituent des obstacles supplémentaires qui évitent, qui ne permettent plus de prendre une décision informée. Il faut donc pouvoir éliminer ces obstacles et intervenir d'une façon différente, pour les éviter. Alors, nous avons fait appel à un certain nombre de sciences, dont l'anthropologie, la psychologie et la sociologie, pour voir quels étaient les points communs. Des clés de prise de décision. Cela nous a permis d'établir un modèle permettant d'identifier les éléments fondamentaux des messages. Il y a d'abord un message unificateur, l'ouverture à la transparence et la présentation exacte des risques et des sources crédibles.
Il faut, au niveau du message unificateur, qu'on fasse passer le message unique et convaincant qui parle motivation profonde du comportement humain, c'est les valeurs. Il faut également, au niveau de la transparence, reconnaître les différentes perspectives, offrir suffisamment de profondeur pour ne pas donner l'impression de cacher quelque chose et il faut éviter de trop simplifier. Il faut faire une présentation exacte des risques. Présenter des risques connus, indiscutables, puisqu'ils prennent le pas sur les risques inconnus en communiquant de façon exacte les faits sur la sécurité. Et ça permet d'atténuer l'anxiété. On a également identifié 8 éléments d'indignation, facteurs d'indignation, hein, un caractère volontaire, par exemple, qui est plus acceptable qu'un risque contraint, par exemple. On a eu toutes sortes de discussions sur l'Ebola aux États-Unis. Mais plus de 200 000 personnes sont hospitalisées aux États-Unis pour la grippe. Alors, l'Ebola, c'était mineur par rapport à la grippe aux États-Unis. Alors, il s'agit de voir les éléments qui interviennent et à quel niveau. La moralité, par exemple, les compromis semblent insensibles lorsque le risque relève de la morale. Et cela peut déclencher une réponse très émotionnelle. Par exemple, les abus sur les animaux, etc., sont extrêmement mal perçus. Les entreprises font le suivi de la situation et participent au processus avec les divers intervenants. Et, par exemple, quand il y a un accident d'avion, tout le monde s'en souvient, ça frappe l'imagination. Bon, les accidents d'automobile sont beaucoup moins évidents et les gens s'en souviennent moins longtemps. Nous avons fait également des tests sur les messages avec différents types de messagers pour savoir ce que les gens suivaient ou comprenaient ou retenaient le mieux. Des scénarios ont été élaborés à l'aide d'éléments fondamentaux des messages et on a demandé aux gens de définir le niveau de confiance qui correspondait à tel ou tel message, la crédibilité du message, le degré de confort. Et nous avons obtenu un score composite qu'on a utilisé pour valider qui serait le meilleur messager. C'était le meilleur messager, c'était quelqu'un, une personne en laquelle on pouvait avoir confiance, etc. Et on a utilisé ça au niveau, par exemple, d'une enquête sur la résistance aux antibiotiques. Alors, on a eu les scientifiques mères, suivis d'un scientifique du gouvernement, et ensuite les pères. Et avant que l'on ait donné les messages, les scientifiques arrivaient au départ. Et disons, l'ordre n'est pas du tout le même. Et une fois que l'on a fait les messages, les scientifiques mères et scientifiques du gouvernement ont échangé, ont interverti leur place. Donc, le scientifique du gouvernement commençait par définir ses valeurs d'abord et avait la permission d'introduire des renseignements supplémentaires. Et étant donné que c'était un scientifique du gouvernement, avait la crédibilité pour lui. Les scientifiques mères a une certaine crédibilité comme scientifique, mais en plus, c'est une mère qui a l'expérience de la vie en famille. Et par conséquent, on s'aperçoit qu'avant les messages, il y a eu changement de classement, et en particulier quand il s'agissait de discuter d'OGM et de résistance aux antibiotiques, donc des questions de nature plutôt scientifique. Alors, qu'est-ce qui donne la confiance aux consommateurs?
Si on revient au message de départ, nous avons d'abord la confiance dans et la compétence du messager, et puis donc la confiance dans le messager, la compétence du messager et l'assurance du messager. Donc il y a un certain nombre de choses qui interviennent et qui sont interchangeables, tout dépendant évidemment de l'importance relative que les gens peuvent leur accorder. Mais le message essentiel est, je dois dire que la modélisation mathématique de cette relation me dépasse un petit peu, mais c'est la crédibilité du message qui est le driver essentiel. Alors, quels sont les éléments qui interviennent au niveau de cette crédibilité du message, puisque c'est ce qui importe le plus. Nous avions un certain nombre d'éléments qui interviennent, ce qu'on a déjà vu plutôt, qui aboutissent finalement, en bas de l'image, à la crédibilité globale, du messager et par voie de conséquence de son message. Donc nous avons fait une analyse statistique pour voir quels étaient les facteurs d'importance relative de ces différents éléments dans le résultat final. Alors, on s'est rendu compte que les types d'éléments fondamentaux des messages qui déterminent la crédibilité du message comprennent les risques, importants pour 18 modèles, l'ouverture et la transparence, c'est important, 17 modèles, message unificateur, 11 modèles, et les sources crédibles, importants pour 5 modèles. Et puis, les types de facteurs d'aliénation qui déterminent la crédibilité du message, le contrôle important pour 17 modèles, le processus 12 modèles, l'équité 1 modèle. Donc, il y a 5 étapes critiques par lesquelles il faut passer pour augmenter et rendre plus percutante la crédibilité du message. Et pour être donc plus efficace dans sa propre communication et pour augmenter la confiance dans ce que vous faites, mais dans l'agriculture et l'alimentation en général. Il y a la question des risques, par exemple, pour revenir à une illustration que j'ai déjà abordée. Quand on concentre des animaux ou qu'on met un nombre considérable d'animaux, ça permet d'utiliser les nutriments et le fumier de ces animaux, mais cela augmente les risques catastrophiques, si vous voulez, en cas de problème imprévu. Donc, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Et donc, il faut expliquer ce que vous faites pour présenter exactement les risques, mais il faut expliquer ce que vous faites pour mitiger ces risques et les atténuer. Et il faut reconnaître les différentes perspectives, offrir une certaine profondeur et éviter de trop simplifier. Quand c'est un message unificateur, un message unique et convaincant, il faut trouver un message unique et convaincant qui touche les motivations profondes du comportement humain et par conséquent qui se rattache aux valeurs. Donc, on peut communiquer en tant que mère, en tant qu'agriculteur, etc., qu'il y a des enfants et ainsi de suite. Voici ce que nous faisons chez nous. Vous pouvez dire, voilà comment nous procédons pour produire des aliments sains et valables et de bonne qualité au quotidien que consomment par ailleurs tous les Canadiens. Alors, il y a là une valeur qui indique que vous comprenez ce qui importe pour les gens et ce que cela représente dans leur vie. Il y a effectivement des organisations provinciales ou fédérales qui peuvent vous assister et vous aider dans ce sens. Et en fait, il faut pouvoir démontrer que vous êtes à l'écoute, que vous voulez savoir ce que les gens pensent, et que vous recherchez la rétroaction, et vous êtes capable d'expliquer pourquoi vous avez pris les décisions que vous avez prises. Cela assoit les valeurs qui sont les vôtres, et cela
permet donc de mieux transmettre le message et d'y assurer toute la crédibilité voulue. Il y a un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition également. Et il y a C5 Engage.org qui a des informations sur les événements de l'industrie et des conseils sur les valeurs partagées. Donc, si vous voulez en connaître davantage à cet égard, vous pouvez vous adresser à cette adresse. Sur les diverses questions qui peuvent se retrouver à l'ordre du jour, vous trouverez les messages sur cfireengage.org et vous pouvez aller à foodintegrity.org, qui est le site web officiel du Center for Food Integrity. Et là, vous pourrez avoir davantage de renseignements sur la discussion et l'information reposant sur le partage des valeurs. Bestfoodfact.org est également une réponse formulée par un certain nombre d'experts et d'universitaires aux questions des consommateurs que tous les consommateurs peuvent se poser sur l'agriculture et l'alimentation. Il y a des milliers de consommateurs qui visitent ce site tous les mois. Par exemple, quelle est l'incidence des hormones sur la puberté de ma fille, par exemple? Il y a toutes sortes de questions que vous pouvez poser et vous aurez des réponses informées et éduquées. On peut parler de santé, de nutrition, il peut y avoir des recettes, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher l'information et c'est une bonne façon pour nous d'établir le dialogue et de le maintenir avec les consommateurs de par le monde. Et ça, souvenez-vous de ces sources d'informations, c'est extrêmement utile. Et s'il y a des points sur lesquels vous n'avez pas tous les renseignements appropriés, eh bien, renseignez-vous et remontez aux sources. Et puis, maintenant, en plus, information un petit peu plus scientifique, une analyse plus précise de certaines questions techniques, scientifiques, c'est The Food Journal, et puis Food Nutrition and Science, avec le site web www.foodnutritionscience.com. Il y a, encore une fois, toutes sortes de sources de renseignements auxquelles vous pouvez vous adresser. Et puis, évidemment, ce qui se fait au niveau de gestion agricole Canada, où nombre de brochures et de publications ont déjà été faites et diffusées. Là, si vous allez sur nos sites, vous verrez ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous faisons au quotidien. Ceci étant terminé, ma présentation vient de prendre fin et donc nous allons passer maintenant immédiatement à la période de questions. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, Charlie, je crois que ça répond à nombre de questions que je me posais moi-même. Mais vous avez reçu un message de Valentin, figurez-vous. Oui, mais ça, j'en reçois souvent de ce genre parce que c'est des envois systématiques. Ici, à la Gestion agricole Canada, je suis bien d'accord avec vous que ça n'est pas toujours facile de trouver un cap positif dans les discussions quand elles sont mal lancées et qu'elles partent du mauvais pied. Et je trouve, moi, je trouve extrêmement difficile quelquefois, comment dire la chose, d'expliquer la campagne aux gens de la ville. C'est pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, le monde a tendance à s'urbaniser et donc cela crée cette espèce de séparation et de divorce entre le monde rural et le monde urbain. Une chose dont il faut se souvenir, c'est moins ce que vous connaissez et ce que vous savez que qui vous êtes. C'est ça dont les gens vont se souvenir.
bien longtemps après que la discussion soit terminée. Ce qu'il faut démontrer, c'est que les cultivateurs, les agriculteurs sont prêts à faire tout ce qu'il y a à faire pour produire une alimentation saine, pour prendre soin des animaux. Tout cela intervient parce que les gens ensuite vont s'en souvenir lorsqu'ils devront acheter cette alimentation dont ils ont besoin de toute façon. Il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup de données pour franchir cette barrière et atteindre cette confiance que l'on veut leur donner. Et un petit peu d'information est utile néanmoins. Mais ce n'est pas au niveau des experts que ça se situe, parce que souvent ces experts en savent trop long, ils veulent tout dire, tout partager, et là les gens sont submergés par les données, et finalement ils perdent leur latin, si vous me permettez de dire ça. Donc, je vais vous lire quelques questions et commentaires que nous avons reçus ici. Le premier commentaire est, vous avez dit que vous avez parlé des entrevues en 2014 aux États-Unis, mais le chiffre que vous avez cité est faible par rapport au volume de la population américaine. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis allé à l'université du Nebraska et statistiquement, il n'y a pas une relation linéaire. Donc, il est possible de faire un petit échantillon qui soit utilisable pour l'ensemble de la population américaine avec un intervalle de confiance de 95%. Il y a des règles statistiques qui régissent ça et elles ont été respectées. Donc, c'est une enquête tout à fait valable. Vous pourriez prendre 800 ou 1000 consommateurs au Canada et ce serait suffisant pour tirer des conclusions valables pour l'ensemble des consommateurs canadiens. Il y a d'autres statistiques que vous avez indiquées. Quel est le pourcentage des femmes qui pensent que l'alimentation est partie dans la bonne voie? Je n'ai pas ce chiffre sous les yeux actuellement, mais c'est dans l'ensemble des textes que j'ai utilisés. Mais on aurait pu penser que les fanas de l'alimentation seraient peut-être moins enclin à conclure qu'on est parti dans la bonne direction, alors que les mères de famille ont plus tendance à penser que ça marche pas trop mal. Mais les foodies, les fanas de l'alimentation, ont déjà identifié leur centre d'intérêt. Finalement, dans la réalité, les fanas de l'alimentation semblent assez satisfaits de la situation, alors que ce sont les mères de famille qui exprime davantage d'inquiétude. J'ai une question. Les gens qui sautent sur les nouvelles inventions, ce qu'on appelle les adopteurs précoces, eh bien, ça, évidemment, c'est une question d'ordre sociologique. Et pourquoi? Est-ce que certains agriculteurs utilisent tel et tel type de maïs pour leur plantation alors que d'autres ne le font pas à une époque où ça venait d'être inventé? Eh bien, il y a toujours différentes catégories de gens qui adoptent une nouvelle technologie. Alors, les adopteurs précoces, ça représente 13,5% du groupe. Et souvent, on pense que ce sont les innovateurs qui vont être les leaders d'opinion, mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que c'est un peu trop systématique leur affaire. Les adopteurs précoces présentent quand même une certaine subjectivité, mais néanmoins doutent un petit peu des résultats. Alors,
ce sont des gens qui ne prennent pas l'information tout de suite, en quelque sorte. Et ils regardent, oui ou non, si les résultats obtenus sont conformes à ce qu'ils croyaient. Mais très souvent, ce sont les leaders d'opinion de demain, si vous voulez. Si les choses évoluent conformément à ce qui est prévu. Alors, c'est un modèle qui existe et qui est utilisable pour n'importe quelle nouveauté technologique de par le monde, que ce soit un téléphone cellulaire ou autre, ou que ce soit une nouvelle espèce de maïs. Là, question suivante, c'est ceux qui adoptent ces nouveaux produits, est-ce qu'ensuite ils rentrent dans le rang? Ça, c'est une question intéressante. Quelquefois, vous adoptez une nouvelle technologie. Par exemple, ma fille aimait beaucoup les nouveaux téléphones, téléphones intelligents, etc. Donc, quelquefois, les gens sont ces adopteurs précoces dans une phase de leur vie ou pour une technologie donnée, mais ne le font pas nécessairement par la suite. Donc, quelquefois, c'est un peu ponctuel. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réflexion du comportement, sur le comportement des gens. Ils ne sont pas toujours systématiquement adopteurs précoces. Est-ce que vous avez fait une enquête auprès des cultivateurs sur ce qu'ils pensent des OMG? Ah ben ça, c'est une excellente suggestion. Ça vaudrait sûrement le coup de poser ce genre de questions. Je sais que au départ, quand on a demandé aux consommateurs, quand on a posé des questions sur la sécurité des OGM, il y avait des divergences d'opinions et que ces opinions ne correspondaient pas toujours aux faits. Puis il y a Brenda qui dit, lorsque vous avez des messages basés sur les valeurs, faites-vous des distinctions entre les types de consommateurs auxquels vous vous adressez? Ben, excellente question. Effectivement, on a parlé des différentes classes d'intervenants. Il faut savoir à qui vous vous adressez. D'abord, c'est assez évident, parce que il s'agit de faire passer vos valeurs. Donc, premièrement, vous ne pouvez pas vous écarter de vos valeurs, parce que sinon, ça n'est plus authentique et ça apparaîtra tout de suite. Deuxièmement, il faut que vous, au fil du temps également, ce soit homogène. Et donc, quand vous vous adressez à un groupe donné, il s'agit de savoir quel est ce groupe. Par exemple, on parlait du groupe des mères tout à l'heure, parce que il y avait des valeurs différentes. Alors, il faut savoir quel est le groupe auquel vous vous adressez et quelles sont ces valeurs. Et puis même dans un groupe donné, les valeurs ne sont pas forcément monolithiques. Il y a encore à l'intérieur du groupe des sous-segments et des variantes qui peuvent intervenir. Wayne nous dit que même si la science permet de faire telle ou telle chose, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement le faire. Par exemple, on parle des bêta-agonistes dans la production du bœuf et des implants. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Excellente question. Plusieurs, ceci de l'utilisation de ces implants et des bêta-agonistes dans l'élevage du beurre, du bœuf, pardon. Et on a quelquefois à être un peu méfiant vis-à-vis de la technologie, mais il faut que les gens comprennent bien quels sont les avantages sociaux et autres de ces nouvelles technologies.
Et il y a évidemment un seuil qui intervient. Alors, quels sont les avantages que ça apporte? Est-ce que ça permet de rendre l'alimentation saine abordable? Donc, ces implants ou ces bêta-agonistes, quel est leur rôle justement pour mettre l'alimentation sur la table de cuisine, si vous voulez? Alors, et tout d'abord, il s'agit de rendre les cultivateurs plus productifs et concurrentiels. Mais les gens ne se soucient pas de cet aspect de productif et de compétitivité. Ce qui les intéresse, c'est la salubrité de leur alimentation saine. C'est ça qui est important pour le consommateur. Alors, il faut répondre en disant, j'apprécie bien votre inquiétude en matière de la salubrité alimentaire. Et il s'agit pour nous de veiller à ce que l'alimentation soit disponible et abordable pour tout le monde. Et cela nous permet, en utilisant ces nouvelles méthodes, de rendre ces produits, rendre cette alimentation abordable, saine et disponible pour tout le monde. Et en conséquence, cela nous permet de produire du bœuf de plus haute qualité pour tous nos consommateurs. Et voilà pourquoi nous appuyons ces nouvelles technologies. Je vous ai écouté avec un petit sourire jusqu'aux oreilles parce que j'avoue que je comprenais pas toujours très bien. Ça a dépassé un petit peu mon orbite, si vous voulez. Mais ceci dit, n'hésitez pas à communiquer avec nous à notre adresse, qui est d'ailleurs l'adresse du site web, de la page que vous avez utilisée pour ce séminaire, Charlie. Et nous reste à vous remercier au nom de Gestion Agricole Canada, d'avoir bien voulu venir nous aider à répandre la bonne parole à propos de l'agriculture. Si vous voulez ajouter quelques mots, une petite conclusion, c'est le moment de le faire. Eh bien, j'ai un grand respect pour tous ceux qui œuvrent au sein de l'agriculture et qui produisent l'alimentation dont nous avons besoin au quotidien. Nombre de personnes ne se rendent pas compte de l'intensité du travail que représentent ces aliments qu'ils consomment au quotidien. Et je crois que j'ai toujours beaucoup apprécié rencontrer des cultivateurs. J'apprécie leurs valeurs, leurs compétences. Je crois donc que leur tâche est essentielle pour le bien de tout le monde. Et il faut que le public puisse conserver toute sa confiance à la production agricole.